Écrase-moi. Hey, what's up tout le monde, c'est Chops Agrumes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va alors consister à vous expliquer toutes les astuces pour faire des gros scores. Alors qu'est-ce que j'entends par gros score? J'entends tout ce qui est plus de 60 kills, plus de 70 kills, facilement. Et avec ça, donc pour m'aider dans cette vidéo, donc j'aurai avec moi Chops Orange. Hey yo tout le monde, comment allez-vous? Et Darkshot, donc que vous n'entendrez pas et que moi non plus j'entendrai pas, qui nous aidera pendant cette vidéo. Alors ils vont surtout m'aider pour la dernière partie, donc je peux vous expliquer déjà les parties qu'il va y avoir. Donc la première partie consiste aux classes, donc tout ce qui est classe avec les score streaks, etc. La deuxième partie ce sera par rapport aux déplacements dans les maps. Donc je vous montrerai un peu toutes les maps, enfin pas toutes les maps quand même, mais les maps les plus utilisées dans BO2 avec tous les déplacements qu'il faut faire. Donc je tiens à préciser quand même que ces astuces viennent de moi, que j'ai jamais regardé de vidéo, de tutoriel pour savoir comment faire des gros scores. C'est vraiment moi qui vous conseille. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Si vous voulez pas suivre mes conseils, voilà, vous les suivez pas. La troisième partie consiste à la sensibilité. Donc la sensibilité, alors attendez, je vais juste vous montrer un peu. La sensibilité qu'on peut avoir, donc moi vous voyez je suis en 8 et les commandes. Donc moi je suis en tactique en ce moment. Et la dernière partie sera la mise en situation. Donc quelques mises en situation pour savoir comment faire si vous êtes dans des périodes assez difficiles à faire. Bref, vous comprendrez ça quand je vous expliquerai. Allez, c'est parti pour la première partie. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quoi. On se retrouve maintenant pour la première partie qui concerne les classes et les score streaks. Alors, je vous montrerai un peu. Ouais. Donc ça, c'est l'épisode 1 que vous aurez sûrement vu sur ma chaîne. Une série nucléaire, donc je pense que je vais la supprimer pour cet épisode. Ça, je m'en sers pour les snipers. Mes trois séries snipers. Enfin, mes trois classes snipers. Alors, pour faire des gros scores. Donc ça dépend les maps déjà, ça dépend les maps. Si vous êtes par exemple sur des maps petites, alors qu'est-ce que j'entends par map petite? J'entends Nuketown, Hijacked, toutes les maps qui sont assez serrées, où il y a vraiment des corps à corps énormément. C'est là qu'on va beaucoup utiliser les mitraillettes, comme la PDW, la MP7 surtout. La Scorpion, moi je l'utilise pas, donc je sais pas comment ça peut se faire. Et sur les grandes maps par contre, on peut utiliser Vector et MSMC, c'est pas dérangeant. Donc je vais faire, je pense, une classe pour les petites maps, une classe pour les grandes maps. Comme ça va être nickel pour vous. Ouais, normal. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous conseiller pour les petites maps? Je sais pas. La PDW+. Alors, déjà, ouais, vous voyez, j'ai pas tout dessus. Je vais mettre Elite. Voilà. Alors, les accessoires pour les petites maps qui sont super importants, c'est le silencieux, le chargeur rapide sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le silencieux? Alors comme ça, vous faites moins griller. C'est-à-dire que si vous êtes au corps à corps avec un ennemi, vous tirez, donc du coup, il y a un autre ennemi qui vous voit que vous êtes là, si vous n'avez pas silencieux. Donc du coup, il va vous voir direct vous tuer. Et par rapport à si vous avez silencieux, il va pas savoir que vous êtes là, et du coup, voilà, ça va être plus simple pour vous. Et le chargeur rapide, pourquoi? Parce que comme vous êtes plus de corps à corps, comme ça, vous rechargez plus rapidement, et vous avez plus de corps à corps, enfin, vous avez plus pouvoir faire de corps à corps. J'espère que vous m'avez compris. Moi, je n'ai pas de secondaire. Moi, je mets jamais de secondaire dans mes classes, parce que j'utilise quasiment jamais. Je vois qu'il y a un mec qui a tapé un incruste. Voilà, merci, au revoir. Atout 1, je dirais plus fantôme, qui sera extrêmement utile, puisque comme je vous ai expliqué, pareil que le silencieux. Atout 2, non, c'est quand même pillard. Enfin, quand même pillard. Ouais, pour les gros scores, moi je vous conseille franchement, en atout 2, faire toujours ça. Regardez, hop, pillard et robustesse, voilà, comme ça vous êtes tranquille. En atout 3, pas besoin de conditions extrêmes, puisqu'on est déjà sur des petites maps, donc ça va être pas... très important.
Et c'est là que je voulais choisir, donc soit dextérité qui peut être très utile, masque tactique ou silence de mort. Là j'hésite vraiment. Moi franchement je mets beaucoup masque tactique parce que je me prends beaucoup de flash et de paralysante. Mais après ouais. Après ça dépend comment. Enfin quel type de personne vous tombez. Donc là vous voyez que je suis quand même à 8 sur 10, donc c'est-à-dire que je peux encore ajouter deux trucs. Donc moi je vais faire ça. Ouais. Soit d'atout 1, hop. Soit je fais ça, soit je fais. Non, 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 je vais pas faire sauf de tout 1. Je vais faire principal suréquipé avec un viseur laser. Comme ça au moins les corps à corps, vous n'avez pas besoin de viser, vous avez juste à faire du tir au jugé et ça marche extrêmement bien. Donc voilà ma classe pour les petites maps. Ensuite pour les grandes maps, je vous conseille déjà des fusils d'assaut, ça c'est sûr et certain. Je vous conseille la MP7, la M27 qui est juste magnifique. Qui est. Ouais, franchement elle gère vraiment. Donc moi par contre je vais pas pouvoir la montrer parce que j'ai aucun accessoire dessus, donc ça va être un peu nul. Ascarage, j'ai quoi comme accessoire? Moi j'ai quand même pas mal de trucs. Voilà, Ascarage qui est vraiment pas mal. La haine, par contre, que j'ai pas beaucoup monté. Mais ouais, sous en ce moment la haine. La M8 qui est pas mal, mais du coup j'ai pas commencé. La SMR, laissez tomber. Hein. Si vous voulez faire des gros scores, la SMR, oubliez. La FAL, pareil. La SWAT, franchement la SWAT, faudrait que je la teste un jour. De toute façon, avec ma Ouais, sienne. bon, elle a Tu vraiment l'as du mal. déjà testé la SWAT? Ah, ouais, elle Elle est a pas mal vraiment ou? du mal. Enfin, disons en fait qu'elle a pas une très grosse cadence entre les moments où elle tire, enfin, entre les rafales. Ah ouais, du coup en Que tu fait, sais pas si. elle est pas mal, mais c'est vraiment que pour tirer de loin, quoi. Ouais, voilà, pour les longs shoots, par contre, alors. Ok. Elle est bonne. La M-TAR qui est juste magnifique, hein. Moi franchement c'est mon arme préférée, vous voyez que je l'ai en or et tout, c'est. Elle déchire, j'ai tout dessus, je l'ai. Ah, attendez. Ah non, j'ai maximum. Donc j'ai prestige d'arme 2 et tout. Donc je vais faire avec l'Ascarage, tiens, soyons fous. Alors, l'Ascarage, comme vous êtes. Sur des longues maps, moi je vous conseille la crosse déjà qui va être extrêmement utile. Je vous conseille le chargeur rapide. Quoique non, le chargeur rapide, il n'y en a pas énormément besoin dans des grandes maps. Plutôt ouais, le chargeur en grande cape. Le chargeur en grande cape. Alors ceux qui savent pas à quoi ça sert la crosse, c'est pour. Enfin, comment dire? Pas pour viser plus rapidement, mais qu'en fait, quand vous visez, vous C'est pouvez. tracker. De quoi? C'est comme tracker. Ouais, mais Vous pour ceux qui savent déplacez pas plus ce que c'est que rapidement que tracker, vous tu visez. vois, je vais expliquer directement ce que c'est. En gros, c'est dès que vous visez, vous pouvez vous déplacer plus rapidement, quoi. Si j'ai Donc pour compris. le speed trap, c'est. C'est idéal. C'est idéal. Les balles blindées, ouais, qui sont bien, mais non, non, non. Chargeur grande cape. Donc vous voyez que là, j'ai mis les deux petits atouts tranquilles. Par contre, je l'ai pas encore en or. Ah ouais, faut que je fasse du tir de loin et tout le bordel. Oh putain. Vas-y, c'est quoi? Hop. On a tout deux. Non, on a tout un, pardon. Détermination, comme vous risquez de pas faire beaucoup de kills. Puisque vous êtes dans des longues maps, je vous conseille détermination. Alors pourquoi? Parce que du coup vous débloquez vos séries beaucoup plus rapidement. Donc du coup vous pouvez faire beaucoup plus de kills facilement. En atout 2, je vous conseille pour robustesse et pierre. De toute façon c'est vraiment les deux trucs qu'il faut systématiquement. Après il y a main leste, mais c'est que si vous avez l'insertion tactique. Si vous n'avez pas l'insertion tactique, ça sert à rien. Moi je vous le dis franchement. Enfin moi c'est ce que je pense, hein. Après, il y en a qui vont vous dire le contraire. Moi en atout 3 par contre je mets conditions extrêmes. Parce que comme vous êtes sur des grandes maps, vous pouvez courir beaucoup plus longtemps et ce qui vous permet d'être beaucoup mieux. Et comme j'ai 8 atouts, il me reste le C4 qui peut être pas mal. Ouais. Non, c'est ça que je mettais normalement. Voilà. Soit d'atout 3, hop. Et masque tactique. Qui va vous protéger toujours des flashs et des paralysantes. Voilà. Donc ça c'était pour les classes. Donc je vais les renommer pour vous. Pour pas vous embrouiller. Petite map. Je sais pas écrire, mon dieu. Et aussi pour les armes, prenez vraiment celle qui vous convient le mieux, hein. Oui. Prenez pas genre une arme, une AN, Voilà, par prenez exemple. pas si vous vous sentez vraiment pas avec la Ascarage que je vous ai montré. Tentez avec une autre arme si vous voyez que vous êtes beaucoup mieux avec une autre arme. Essayez, n'hésitez pas. Donc voilà, petite map, grande map. Alors, pour les score streak. Alors, là c'est un peu plus compliqué. Je veux savoir en ce moment que sur BO2, les score streaks, c'est extrêmement difficile. Donc moi je vous conseille déjà le Warthog, laissez tomber, oubliez, ça sert strictement à rien. Enfin ça sert mais quand vous êtes sur Nuketown où ils sont tous cachés dans la baraque, ça sert strictement à rien. L'autre Staradav, c'est extrêmement utile mais il y a beaucoup de rage kit. Unité canine, ça déchire à mort ce truc là. Groupe de chasse, moi jamais je mets un groupe de chasse, jamais. J'en ai utilisé 3 dans ma vie. Et 3 fois, je me suis suicidé avec les groupes de chasse. Je te promets que c'est vrai.
Alors ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous dire? L'aéronef furtif qui est extrêmement utile, la microstation, bah bien sûr. Drone d'escorte qui est vraiment pas mal, système IEM qui est vraiment pas mal, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Robot terrestre que j'utilise jamais, Dragonfire ça sert strictement à rien, machine de guerre, machine de mort ça sert strictement à rien. Tourelle auto, ça dépend dans quelle map vous êtes. Foudroiement et Hailstorm, ça dépend dans quelle map vous êtes. Gardien, c'est pareil. Drone de brouillage et drone qui sont extrêmement utiles. Et RCXD, drone de chasse et colis stratégique, ça vous fait juste perdre du temps. Je vous le dis franchement. Alors, si vous voulez faire, comme vous allez voir dans ma série avec ma Entar, où j'ai commencé, vous voyez que je joue au drone, drone de brouillage, microstation. Qui sont Top. vraiment le top. Comme ça évite les rage kits. Et comme ça, vous pouvez faire plus de kills facilement. Donc, j'ai fait environ 57 ou 56 kills uniquement à l'arme, uniquement à la Entar, Abdullah, j'allais dire M27. Abdullah. Donc, vous voyez que quand même 57 kills uniquement à l'arme, c'est quand même pas rien. C'est pas mal. Je l'ai surtout mis parce qu'en fait, j'ai fait une. Non, 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 je vais pas vous dire. Je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise. Ouais. Et si vous voulez vraiment faire des gros gros massacres, moi je vous conseille de mettre aéronef furtif, microstation. Et unité canine qui sont trois score streak qui sont extrêmement bien. Dès que vous avez débloqué l'aéronef, vous faites 3 kills à 3-4 kills à l'aéronef, vous débloquez la micro. Si vous avez débloqué la micro, vous débloquez les chiens. Si vous débloquez les chiens, vous débloquez l'aéronef et c'est continu comme ça. Et comme ça vous permet justement de bien enchaîner et c'est juste parfait. Donc moi j'ai gardé avec mon truc soutien parce que c'est ce que je préfère. Après vous faites comme vous voulez hein. Si vous alors oui parce que je vais expliquer aussi pour les autres. Alors, gardien et tourelle auto. Ça, c'est pour les petites maps du genre Hijacked et Nuketown. Pourquoi? Parce que ça vous évite, enfin, ça vous permet de spawn trapper, mais c'est magique. Comme ça, par exemple, vous bloquez les deux côtés de la map, vous restez au middle. Enfin, vous bloquez le côté gauche avec une tourelle, le côté droit avec un gardien. Vous restez au middle avec votre arme. C'est bon, c'est magique. Machine de mort, machine de guerre, ça strictement rien. Juste à bombarder comme des hiens, mais voilà. Dragonfire, alors. Tout ce qui est Dragonfire, Adapt de combat, Lodestar, Hellstorm, Foudroiement. Y a quoi d'autre? Puis voilà, c'est tout. Ça vous bloque votre personnage. C'est-à-dire que du coup, comme vous êtes en train de faire ça, votre personnage, du coup, il bouge plus. Si vous êtes d'accord avec moi. Logique. Et du coup, en fait, ça permet. Enfin, du coup, vous faites des kills avec vos score streaks, mais du coup, vous faites plus kill avec votre arme. Et ce qui est extrêmement dommage parce que vous aurez pu faire du coup les deux. Donc, toutes les séries qui sont robots terrestres, aéronefs furtifs, unités canines, groupe de chasse, drones d'escorte. Et j'en oublie pas, non, je n'oublie pas. Donc, ça vous permet du coup que votre score streak se débrouille tout seul. Comme ça, il fait des kills tout seul. Et vous pouvez faire des kills à l'arme. Ça fait deux fois plus de kills. Donc, du coup, vous pouvez augmenter vachement comment dire, votre Et vitesse pour faire des kills. On va dire ça comme ça. aussi à noter que les score streak, dès qu'il tue quelqu'un, ça rajoute 25 points. Donc Voilà. dès que vous faites un kill alarme, ça rajoute 100 à 150 points. Ce qui est juste énorme. Franchement, c'est vraiment utile. Donc moi, Donc je ça vous aidera plus à débloquer vos score streak. me... Voilà, exactement. Donc si je voulais un truc avec robot terrestre, attendez, je vais essayer un petit truc quand même. Si vous voulez le robot terrestre, je vous conseille de mettre le drone d'escorte avec et la micro. Comme ça au moins vous êtes parfait. La micro franchement c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment. Après vous pouvez faire robot terrestre, unité canine, c'est pas mal aussi. Quoique non, pas énormément. Parce que du coup en fait si vous débloquez les chiens avec le robot, les chiens vont voler tous les kills au robot. Du coup le robot va plus faire de kills et ça va servir strictement à rien. Donc au pire ouais c'est soit ces trois là, soit ces trois là. Après le groupe de chasse, comment on pourrait faire? Le groupe de chasse on pourrait faire ça. Micro, groupe de chasse. Et au système IEM. Système IEM qui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ça débloque, enfin ça neutralise tout le matériel ennemi. En gros, s'ils veulent mettre un drone, ils peuvent pas. S'ils veulent, s'ils ont un viseur réflexe, ils ont plus le viseur et tout. C'est vraiment énorme. Et du coup, ils savent pas où vous êtes et c'est juste magique. Et si jamais ils jouent avec un viseur thermique sur un sniper, ils auront plus tout visé en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment, C'est, ça me vient. j'aime bien fraguer comme ça, c'est drôle. Faire une fuite comme ça, t'imagines? Tout ce qui sont ouais assez OG aussi je crois ça marche non? Non assez OG c'est un viseur normal. Je sais pas. Non attends attends. Je vais juste voir ça. Il y a une SOG là-dessus ou pas? Je suis aveugle. Oui il y en a une juste devant moi en plus je suis con.
Ouais, non, non, non. La COG, ça la bloque aussi. C'est pas ce que je pense. Oh, y a des nouveaux viseurs et tout. Oh, c'est un tas, ouais, pas possible. Oh, j'ai pas gardé l'OCG, moi, je suis en ouf. Voilà. Donc, c'est bon pour les score streaks. Donc, moi, je vais rester sur mon petit drone de brouillage micro. Allez, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie qui concerne les maps et les déplacements. Et voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de toutes ces astuces. Donc, là, je vais vous expliquer un peu les déplacements sur certaines maps. Donc, on commence tout de suite avec Nuketown. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez qu'on est en privé, comme ça, c'est plus simple pour vous expliquer. Puis, bah voilà, donc je suis tout seul contre Orange et Darkshot. Donc, eux m'entendent sur Skype, moi, je ne les entends pas parce que sinon, ça, disons en fait que Darkshot est au téléphone avec Orange. Donc, du coup, en fait, ça fait un son dégueulasse dans le micro. C'est pour ça que je les ai mutés. Et c'est comme ça. Pourquoi, voilà. Pourquoi comme ça, je les entends pas. Alors, les gars, vous prenez un. Tranquille. Donc, moi, je pensais. Alors, quand vous commencez sur une map comme ça, vous commencez tranquille, vous prenez le point. Donc, normalement, vous êtes avec vos alliés et tout. Et le point le plus important à prendre, c'est le point B. Pourquoi le point B? Parce que comme ça, au moins, vous pouvez mener. Donc, mener ce qui se passe. Donc, les gars, vous allez venir sur B, je vais vous buter. Enfin, tranquille, hein, vas-y, vous faites genre tranquille. Donc là, vous voyez que j'allais sur B, hop, voilà, bim, je les tue. Donc voilà, vous arrivez, hop, surtout vous sécurisez le point tranquillement. Faut vraiment être tranquille. Hop, là, vous voyez qu'ils reviennent. J'arrive pas à les buter, super. C'est bon, tranquille, restez sur. Ah, restez sur. Ouais, putain, j'arrive pas à te buter. J'ai mis 200 points de vue, quoi. Et voilà, et à ce moment-là, le plus important à faire, c'est soit vous mettez à gauche. Comme ça, au moins, vous pouvez les spawn trap facilement. Vous voyez que, hop, là, ils s'approchent. Il y en a un qui est là, voilà. Et là, hop, donc j'ai débloqué ma tourelle. La tourelle la plus importante à prendre, hop, vous la mettez là, tranquillement. Et pour bien spawn trap, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut vous mettre ici. Alors pourquoi ici? Je vais vous expliquer pourquoi. Comme j'ai mis ma tourelle, vous savez où je l'ai mis. Ça, je vais casser, voilà. Vous là, vous tuez s'il y a des petits campeurs, tranquille. Vous revenez ici. Et là, vous pouvez spawn trap facilement puisqu'ils spawnent tous là-bas. Vous allez voir, voilà, justement, il y en a un qui spawn là. Il est en train de s'amuser, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Hop, là, vous voyez qu'on peut vachement les spawn trap facilement. Ok, d'accord, avec la tourelle. Vous voyez qu'il spawn toujours ici. Et le plus important, c'est vraiment pas d'y aller. Voilà, j'ai bloqué un micro tranquillement. Voilà, je mets tout en premier. Oh, la tourelle qui me tue. Voilà, voilà. Ça, c'est les trucs les plus stupides qui peuvent arriver. Voilà, j'étais à 11-0, la tourelle qui me tue. Moi, bon, je m'en fous, on est en privé. Mais voilà, c'est le truc le plus débile qui peut nous arriver. Donc, vous voyez que si vous le débloquez. Alors, je vais essayer de débloquer une autre tourelle. Ce qui va être vachement easy, je pense. Easy. Pourquoi il spawn là-bas? Ah. Wesh! Voilà. J'arrive plus à tirer. Je veux juste débloquer notre tourelle, les gars. Je veux juste débloquer notre tourelle. Après, je vous laisse tranquille. Encore un. Hop. MDR. MDR. Mais pourquoi? C'est quoi ces spawns là? C'est quoi ces spawns, sérieux? Ah là là, bah, vous voyez au sniper, il y a pas mal de spots. Hein. Pas spawn trap. Voilà. Il est mort. Ouais, par contre, elle est vraiment pas easy à manier. La PDW, de loin, je parle. Ouais, j'ai débloqué une tourelle, quoi. Y'a rien de compliqué. Voilà, voilà un petit kill. Merci. Voilà, c'est bon. Dès que vous avez une deuxième tourelle, où la mettre? Alors, vous la mettez là. Pourquoi ici? Parce que comme ça, du coup, vos tourelles, elles spawn trap easy. Vous, vous êtes tranquille ici. Vous voyez que du coup, ils vont spawn ici. Et essayez d'aller sur B. Essayez d'aller sur B, les gars. Voilà, vous voyez qu'ils ne peuvent pas parce que les tourelles les bloquent. C'est vraiment hyper simple. Donc, du coup, vous pouvez être tranquille pendant que les tourelles font des kills tranquillement. Donc, vous voyez que là, je suis quand même à 24-1 tranquillement. Et voilà. Donc, ça, c'était pour Nuketown. Si vous voulez vraiment bien les spawn trap, franchement, easy. Money. C'est vous mettez ici, voilà. Et vous voyez qu'ils vont toujours spawn ici. Ou s'ils spawn ici. S'ils spawn pas à gauche, ils vont spawn à droite. Mais là, par contre, je comprends que dalle à ces spawns. Et j'en ai marre la tourelle qui tue. Voilà, donc on s'est fini avec Nuketown. On va arrêter ça, voilà. Je vais vous montrer, je pense, Standoff, Red et. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Hijacked. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je suis un petit kill tranquille, donc easy. Donc vous voyez, franchement, les déplacements sont extrêmement importants. Sur toutes les maps,
Donc ouais, franchement, sur toutes les maps, moi je vais vous montrer Stand juste les by. principales. Pourquoi les principales? Parce que si je vous montre Aftermatch, alors que vous jouez jamais dessus, bah ça sert strictement à rien de vous les montrer. Hein. Donc vous voyez que là j'ai dominé, bon en même temps ils sont un peu laissés faire. Les deux morts stupides à cause des tourelles, ce qui est super agréable. Oh, tu nous donneras le fric après pour les frags. Enfin, les squats. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. 5 € le frag. 5 euros? Oh putain, vas-y, je Ouais. paye cher. Hein. Je paye un kebab. Ok. Allez, con. Ouais, donc les séries de points, par contre, j'ai changé parce que ça va juste être dégueulasse. Voilà. Oh non, je vais pas mettre ça. Voilà, la microstation. Je vais vous montrer un deuxième style pour Spawn Trap. Alors, par contre, là, je vais juste changer mon arme. Qui est là. Je vais mettre la Entar. Pourquoi la Entar? Vous allez voir qu'elle est extrêmement utile sur ces maps-là. Hop, non, chargeur rapide. Ouais, la crosse, je vais mettre la crosse. Allez, c'est reparti. Donc là, pareil, les gars, vous prenez un point, moi je prends les deux autres, et voilà, je vous montre comment, je démontre comment spawn trap. Rien de plus simple. Donc on est ouais, à 5 minutes pour la deuxième partie, ça va être pas mal. Ça va faire une vidéo de 30 minutes, 40. Ça va être long quand même. Donc ouais, je vous conseille franchement de regarder toutes les parties. Vraiment, faut vraiment que vous soyez concentré à les regarder, parce que si vous regardez vite fait en train de faire autre chose en même temps, bah, ça sert strictement à rien. Oh putain, je suis du bon côté, nickel. Vous prenez A et vous vous laissez faire. Ouais, donc comment spawn trap sur cette map là? Mais c'est tellement simple, c'est franchement simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous prenez C, tranquillement. Si vous avez des bons alliés qui prennent C, pas besoin de prendre C. Hein. Vous dites allez direct sur B. Hein. Moi je prends C parce que comme ça au moins ça les évite de spawn ici. Hop. Après, vous rushez sur B. Rien de plus simple. Donc là, vous voyez que je suis en soutien par longtemps, tranquille. Voilà. Donc là, faites attention parce qu'ils vont beaucoup venir, soit middle, soit à droite. À gauche, ils viennent pas énormément, par contre. Sauf quand je leur ai dit que à gauche, ils viennent pas énormément, bah du coup, à gauche, NDR. Et là, voilà, et là. Si vous jouez à l'insertion tactique, je vous conseille de mettre l'insert. Alors, attendez. Ah, c'est bon. Bougez pas de A, bougez pas de A. Je vais juste leur montrer un petit truc, voilà. Non mais je vais aller bouger pas de A, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent de A. Voilà. Vous mettez votre insert ici, comme ça vous pouvez foncer et spawn trap après tranquillement. Donc là vous voyez que... Voilà. Là ils vont spawn ici. Ils vont spawn ici. Ils vont spawn ici. Ok, super, ils spawn. J'en ai marre, pourquoi ça spawn pas comme je le veux? Surtout qu'en plus, normalement ça spawn normal. Voilà. Juste le micro comme ça, voilà. C'est bien les gars. Pourquoi il spawn? Eh, je comprends que dalle le spawn là. En privé, c'est n'importe quoi, mec. Oh, t'es sérieux, Darkshot, mec? C'est pas grave. Super, je suis juste obligé de refaire la map à chaque fois, quoi. Le truc qui a m'énervé. Voilà, là il est à gauche. Voilà. Donc là, vous passez tranquille. Tiens, je vais aller là-bas, un pourrir. Donc si vous êtes au sniper, n'hésitez pas à aller à droite. Pourquoi à droite? Parce que... Bim. Bim. Et là ils vont spawn là. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment easy. Et si vous êtes à la mitraillette, comme je suis en ce moment, vous n'hésitez pas à faire ça. Hop. Par contre, pourquoi il spawn là? Je ne comprends pas. Normalement il devrait spawn. Oh putain les gars, restez sur A, restez sur A, sinon ça va être trop compliqué. Et l'autre qui se casse, non mais l'autre il a rien compris. Reviens orange. J'ai dit. Voilà. Et boum. Oh. Avril. Ouais. C'est normal qu'il y ait marqué balise, munition balista max. Je peux marquer ça. Restez sur A, ouais, j'essaie de vous montrer. Enfin j'essaie de leur montrer comment spawn trap. Eh merde. Ouais, j'arrive pas à viser. Darkshot, il a rien compris, il essaie de me buter lui. Pourquoi, eh, pourquoi il spawn là? Eh, je comprends que dalle. Par contre, là, franchement, ça commence à devenir saoulant. Et pourquoi il prend B lui? Lui, il a rien compris à la vie, je crois. Je le dirai après, il va rien comprendre, tu vas voir. Voilà. J'en ai incroyable. Bon, c'est pas important, de toute façon, c'est notre privé. Et voilà, là, vous restez là, et bim, vous les spawn trapper tranquillement. Hop, normalement, il continue. Voilà, il spawn là, voilà, c'est voilà, nickel, puisque je voulais. Sauf qu'il continue à spawn là-bas, c'est pas grave. Vous avez compris le délire, vous restez ici, et là normalement il spawn ici, et dès que vous les habitez, il spawn ici. Voilà, rien de plus. Donc hop, on va s'arrêter là. Bon, je vais vous montrer la map raid et standoff qui vous reste. Ah là là.
Je comprends pas pourquoi il spawn pas là. Normalement, regarde. Normalement, t'étais censé spawn là-bas au ciel. Avec Darkshot. Et j'ai pas compris ce délire. C'est bizarre. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai montré Nuketown et Hijack. Des spawn easy. Ouais, par contre, quand c'est de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Franchement, les maps sont similaires. Je vais vous montrer. Alors, parce que j'ai pas montré. Là, je vous ai montré comment spawn trap pour faire beaucoup de kills. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus les déplacements dans les maps. Comment faut faire. Parce qu'il faut savoir que. Je vais vous montrer un peu. Hop, ma studio. J'espère que j'ai enregistré les parties. Nickel. Ok, et hey mec, faudra que tu voyes le truc là, munition max. Ouais, bah on ira voir après. Faut savoir que dans toutes les maps de Call of Duty, mais vraiment toutes les maps, après Ghost et Advanced Warfare, j'ai pas vu encore. Enfin, Advanced Warfare, il est pas sorti encore, donc. Mais Ghost, je sais pas si c'est pareil, je crois que c'est pareil. Ghost. Dans toutes les maps. Moi j'ai fait la hard arc, hein. Dans toutes les maps vous allez voir, il y a toujours trois côtés. Alors, je mets pause. Voilà. Hop. Vous pouvez voir que dans toutes les maps, il y a toujours trois côtés. Il y a un côté à droite, un côté à gauche, un côté middle. Donc là vous pouvez voir que le côté à gauche, c'est où il y a la piscine et la passerelle. Qui est, voilà, ici. Le côté middle qui est où il y a B. Donc ici. Et le côté à droite qui est là, où il y a la petite maison. Donc là, je sais pas si vous avez tous fait la remarque, mais si vous voulez faire des gros scores, jamais aller middle. Jamais aller middle. Bon, là, je l'ai fait quand j'ai spawn trap, mais c'était vraiment parce qu'on était en privé. Quand vous voulez toujours, toujours faire des gros scores, faut aller le plus vite dans les spawn ennemis, toujours passer sur les côtés. Donc moi, vous pouvez voir que en ligne, donc si vous voyez la partie que j'ai fait à la MDAR, vous voyez, je passe toujours ici. Enfin, toujours, non. Mais je passe souvent ici, hop, là je regarde s'il y a des ennemis ici, je tire s'il y en a, hop, je regarde ici. Et après je passe dans la maison, et je spawn trap. Et c'est tout le temps la même chose, et ce qui est, ça marche énormément. Donc là je vous ai montré pour Hijack, donc vous pouvez regarder au Mode Studio, hein, toutes les maps sont faites de la même manière. Il y a toujours un côté droit, côté gauche et côté middle. Jamais passer côté middle parce que sinon vous êtes trop spawn, enfin pas, vous faites trop avoir parce que du coup les ennemis peuvent venir. Regardez, je vais vous expliquer en image. Vous êtes ici. Les seuls ennemis qui peuvent vous avoir, c'est les ennemis qui passent ici. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont corps à corps avec vous et ils peuvent vous voir facilement. Par rapport à ceux qui passent middle et ceux qui passent à droite, ils ne vous voient pas parce que du coup, vous êtes dans leur dos. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour les fraguer et eux ne vous voient pas. Par rapport à si vous êtes ici. Ici, là, vous pouvez voir que côté gauche, ils vous voient parce que vous êtes droit devant eux. Côté droit, ils vous voient et côté middle, ils vous voient. Donc c'est... Vous faites bloquer, parce que si vous passez là, côté middle, boum, ils peuvent vous tirer dessus. Si vous restez là, côté droite, ils peuvent vous voir, côté gauche, pareil. Et si vous passez là, côté middle, ils vous tuent. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment important de passer sur les autres côtés. Donc là, vous pouvez voir que si je passe là, hop, le côté middle ne me voit plus. Si je me reste calé là, côté gauche ne me voit plus non plus. Là, si je passe là, il n'y a que le côté droit qui me gêne énormément. Sinon, les autres côtés, ils ne me voient pas. Et après, je vais me caler ici. Et ici, vous pouvez voir que tous les ennemis sont dans mon dos. Mais après, il faut savoir qu'il ne faut pas camper comme un yinche, sinon ça sert strictement à rien. Puis voilà. Donc ça, c'était pour Hijack. Et puis, je vais juste vous montrer les deux dernières maps, qui sont Standoff et Red. Hop, perso. Je vais juste faire vite fait. Voilà, demi. Hop, voilà. Mince, je me suis trompé. C'est pas cette map-là. Red. Alors, Red. Red, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours trois côtés, comme vous pouvez voir. Donc le côté qu'on a en image. Maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave pour les équipes. Le côté que vous pouvez pas maintenant, c'est le côté droite ou gauche, ça dépend où vous spawnez. Ensuite, il y a côté fontaine, là, où il y a toute l'eau et tout bordel. Donc là, c'est l'autre côté. Et le côté middle, qui est beaucoup plus compliqué, parce que le côté middle, ils arrivent de partout. Voilà, nickel. Puis le côté que je voulais faire, c'est pas grave. Puis le côté que je voulais faire, justement, c'est nickel. Donc là, vous pouvez voir que. Moi, je vais vous expliquer un petit truc quand vous spawnez de ce côté-là. Il n'y a rien de plus simple, vous passez là. Vous prenez A et tout le bordel. Vous avez pris A. Vous n'êtes pas obligé de prendre A. Hein. Vous passez là, tranquille. Vous longez, longez, longez. Donc normalement, il n'y a aucun ennemi qui arrive par là. Hein. Pas besoin de s'en raffoler. Et là, voilà. Là, et voilà. Vous avez tout compris. Ils vont tous venir ici. Il est où ? Arrête de jouer à cache-cache. Et t'es où ? Ok, c'est pas grave. Il est sur B en fait. Voilà. Et donc du coup vous êtes ici.
Donc, dès le début, hein, vous arrivez, hop, vous voyez qu'il y a des ennemis qui vont arriver ici. Normalement, il y a des ennemis qui vont arriver aussi ici. Là, vous continuez, 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 continuez. Ils vont spawn ici si vous les avez butés. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et là, tous les ennemis qui vont prendre B, normalement, sont dans votre dos. Donc, du coup, vous êtes. Enfin, sont. Vous êtes dans leur dos, donc vous êtes tranquille. Comment ça, j'étais là, lui? Voilà, juste T'as en fait temps. dessus tout à l'heure en fait. Ah, ok, d'accord. Arrêtez de prendre les positions, par contre, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et si vous spawnez du côté C, il y a rien de plus simple. Hop, vous passez là, tranquille, vous prenez C. Et là, c'est le plus compliqué si vous spawnez du côté C. Pourquoi? Parce que vous arrivez là. Et là, faut rusher à mort. Là, vous rusher, vous rusher, vous rusher. Ils vont tous venir middle. Allez dans la maison middle de A. Maison middle de A, j'ai dit. Hein. J'ai pas dit prendre B, abruti. Voilà, merci. Et là, vous voyez que du coup, ils vont tous arriver ici. Et vous allez juste aller spawn trap facilement. Voilà. Ils vont tous arriver comme ça. Voilà. Donc ensuite pour les déplacements, alors je vous conseille juste, voilà, vous, vous mettez là, vous êtes calé. Pourquoi il prend B lui? Eh vas-y, je vous dis de pas prendre B, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez B. Vous prenez B. Oui, voilà. Lui c'est Darkshot, il est obligé c'est Darkshot. Ah non c'est orange. Bon c'est pas grave, j'en ai marre de venir après toi. Voilà. Alors pour les côtés, je vous conseille surtout d'aller dans ce petit middle là qui est juste parfait. Parce que du coup vous pouvez vous cacher un peu partout. Enfin vous cacher, je dis pas camper hein, je dis cacher. Merci, arrête de me suivre, ça me saoule. Si il spawn là-bas, arrête de me suivre putain. Oh tu me saoules. Si il spawn là, vous voyez que là vous êtes caché grâce au rocher. Là vous êtes caché grâce à la barrière là où je peux. Et du coup ils vont arriver par là, regardez. Voilà la preuve, sans que je le veuille. Et arrête de me lancer tes fumigènes, par contre tu vas vraiment m'énerver, je vais vraiment tirer, tu vas rien comprendre. Et s'ils spawn de l'autre côté, hop vous mettez. Et après vous avez juste à les spawn trap facilement. Et easy. Ce qui vous permet de faire des gros scores facilement. Hitmarker. Hitmarker. Voilà. Et juste pour la kickcam de fait, on le kiffe. Oh yeah. Hitmarker. Yeah. Je suis en mode fourni au snipe. Et voilà, c'était pour Red, donc on va se retrouver sur Snow Duff. Dès que j'arrive à le buter, voilà. Voilà, quelqu'un qui fait plaisir. Même si c'est moi qui l'a vu, c'est pas grave, on va les couilles. Donc on se retrouve pour Snow Duff, donc on est déjà à 17 minutes pour cette partie quand même, ce qui est juste énorme. C'est pas grave. On se retrouve pour cette partie là, et ensuite on se retrouve pour les deux dernières parties qui sont la sensibilité. Donc la sensibilité que vous devez avoir lors de la partie, etc. Et la mise en situation, qui est juste extrêmement compliquée à faire. Alors la dernière map, Standoff. Donc c'est juste les maps les plus jouées. Hein. Les plus jouées, mais avec Yemen aussi, mais moi comme je joue pas énormément sur Yemen parce qu'elle me saoule énormément. Donc Standoff c'est exactement pareil, hein. Pff, y a rien de compliqué. Vous passez sur les côtés. Enfin non, non, là c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que sur Standoff, prenez aucun point les gars, prenez aucun point. Merci. Standoff c'est un peu plus compliqué parce que là je vous expliquais un truc qui m'est extrêmement utile que moi je fais beaucoup sur Standoff puisque c'est ma map préférée. C'est la map où je me débrouille le plus, c'est la map que j'arrive le plus. J'ai réussi à faire quand même pas mal de nucléaire sur cette map, j'ai réussi à faire pas mal de gros scores sur cette map, pas mal de feed sur cette map. J'ai vraiment réussi à faire beaucoup de trucs. Donc si vous spawnez sur C, vous rushez à mort, vous allez bim, middle. J'ai dit aucun point, hein. Prenez aucun point. Merci de prendre les points, c'est gentil. Vous arrivez ici, donc là ils vont tous normalement être avec leur sniper en train de prendre ici. Ou sinon ils vont passer là. Donc là vous voyez, hop, il y en a un qui est là-haut. Voilà, merci. Hop, vous allez ici. Voilà, là ils vont spawn ici. Et ils vont arriver par ici. Donc là vous restez ici. Pourquoi ils spawnent là-bas? Ah bah parce qu'il a pas pris le point, ça va, je suis bête. C'est ma faute, c'est ma faute. Donc là, hop, vous restez ici tranquille, bim. Vous pouvez spawn trapper. Easy money. Easy. Monnaie, pff, je m'en bats les couilles au pire. Passe pas devant moi, c'est pas grave. Prenez pas les positions. Oh. Et là, normalement, soit ils vont spawn ici, là, à côté du poteau. Ou sinon, ils vont spawn. Oh, sinon, ils vont spawn vers ici, là, à peu près. Donc, du coup, en fait, ils vont arriver par réflexe. Ils vont tous venir ici. Et boum, vous allez juste les buter. Ensuite, si vous spawnez du côté A, prenez pas les positions, s'il te plaît. Il y en a un qui est en train de prendre A là, je sais pas où. Si vous spawnez sur A, vous rushez à mort, vous rushez. Attendez, je vais vous montrer dès le début par contre. Voilà, vous êtes ici.
Vous rushez, vous rushez, vous rushez. Essayez pas de me buter, sinon vraiment je vous rage quitte. Vous rushez, vous rushez, vous rushez. Et c'est là le plus dangereux. Là, il y en a qui vont arriver ici. Donc, ils n'étaient pas à tirer. Vous rushez, vous rushez, vous rushez. Là, n'hésitez pas parce qu'il va y avoir des campeurs ici. Vous continuez à rusher, vous continuez à rusher, vous continuez à rusher. Et là, bim! Là, vous êtes tranquille parce que ils vont être là où vous pouvez les tirer facile. Là, vous les tirez facile. Et dès que vous avez buté les mecs, ils vont spawn essence. Donc, le spawn est vraiment easy money sur stand-off. Et s'ils ont. Attends, je prends juste ton sniper. Je prends juste ton sniper, merci. S'ils ont que B et vous avez ASC, ils vont spawn. Voilà, ici. Merci d'avoir spawn là. Et du coup, vous avez juste à vous caler ici avec un petit sniper, tranquille. Et voyez, qui spawn toujours ici. Voilà, c'était pour stand-off. Alors, un petit conseil. Beaucoup, franchement, passez énormément ici. Easy money, money. Arrête de passer devant moi si c'était pour te barrer en courant aussi, ta fiole. Je m'en bats les couilles, clairement, moi je sais pas que ça va faire, mais putain. N'hésitez pas à passer ici parce que franchement, c'est une zone sécurisée à point doré. D'ailleurs. Et vous passez là, et vous passez là. Après, vous pouvez faire des kills. Easy money. Voilà, voilà. Allez. Ensuite, on se retrouve pour la troisième partie qui est pour la sensibilité et tactique. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie qui est la mise en situation. Alors qu'est-ce que la mise en situation? En gros, ça français, s'il te plaît. En gros, ça va être comment faire quand vous êtes dans la merde. Faut le dire franchement, dans un gameplay. Donc vous voyez que vous êtes en série et tout, donc vous voulez vraiment pas mourir. Et vous voyez que les ennemis vous surpassent. Donc là, tu vas prendre B après, s'il te plaît. Hop, tu prends C, tu prends B direct. Hein, tu prends B direct. Voilà. Donc là, vous imaginez que vous êtes en train de spawn trap. Donc vous avez A et B et tout, tout bordel, vous êtes content. Hop, vous êtes en train de spawn trap, vous êtes bientôt à la micro. Bientôt à votre nucléaire et tout bordel. Et là vous voyez que l'ennemi prend B. Et il a pris B, donc il a gagné le point. Donc là vous voyez que vous faites surpasser. Allez, les ennemis ont pris les deux points. Donc du coup c'est à dire qu'ils vont spawn complètement à côté de vous. Mets-toi où je t'ai dit tout à l'heure s'il te plaît. Vous voyez que voilà, vous faites complètement surpasser. Les ennemis sont plus forts que vous. Là vous êtes dans la merde, vous êtes dans la chambre. Vous savez plus quoi faire. Et là vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez courir en courant comme. Enfin, courir en courant, n'importe comment. Vous allez courir comme un ouf là, comme ça, pour vous échapper et pour courir comme. Enfin, pour. Vous allez... Soit vous allez faire deux trucs. Je me réexplique. Soit vous allez faire deux trucs. Vous allez vous barrer en courant comme ça, comme des oufs. Chose à pas faire. Ou sinon, vous allez faire. Me tue pas, s'il te plaît. Merci. Ou sinon, vous allez faire comme ça, vous allez continuer à spawn trap comme vous faites, comme tout à l'heure. Enfin, comme vous faites normalement. Ce qui est chose à pas faire non plus. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a à faire quand vous faites surpasser? Donc c'est-à-dire que là les ennemis peuvent venir d'ici. D'ici. Et ils peuvent aussi venir d'ici. Puisqu'ils spawnent aussi sur B comme ils ont pris B. Donc là la chose à pas faire, c'est de continuer à spawn trap comme ça comme un ouf. Ça c'est extrêmement. Enfin extrêmement un truc à pas faire. Donc soit vous jouez avec des amis. Si vous jouez avec des. Replace-toi où je t'ai dit tout à l'heure s'il te plaît. Merci. Soit vous jouez avec des amis, donc du coup vous leur dites de se dépêcher à vous. À vous aider. Donc du coup vous restez comme ça, vous temporisez un petit peu. Voilà, hop, hop, vous restez ici, voilà. C'est que t'as pas d'amis donc. Et si voilà, si on n'a pas d'amis, on mange des curly tout simplement, je déconne. Si on n'a pas d'amis, alors vous êtes tout seul dans le enfin vous êtes tout seul dans le groupe, vous pouvez pas parler aux alliés qui sont avec vous, ce qui m'arrive énormément. Donc moi je vais vous expliquer une de mes petites astuces qui marche énormément. Que faire alors? Là c'est extrêmement compliqué. Vous allez déjà regarder le radar, vous allez voir que les ennemis sont un peu partout sur la map. Vous êtes dans la merde, franchement faut le dire. Et là, qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, vous commencez à temporiser un petit peu ici, hop, vous voyez que les ennemis arrivent, hop, vous en butez un, deux peut-être. Vous continuez, hop, ah, vous restez ici, là vous tuez. Vous tuez, j'ai dit vous tuez, voilà, merci. Vous restez ici, là vous, du coup les ennemis sachent que vous êtes là. Moi j'ai un silencieux, donc comme ça les ennemis ne me voient pas. Les ennemis sachent que vous êtes là, donc vous êtes dans la merde. Franchement, faut le dire. Donc vous commencez à tuer les ennemis. Essaye de me tuer, s'il te plaît. Tu sais où je suis maintenant, tu sais que je suis là-haut. Donc essaye de me tuer, s'il te plaît. C'est où là-haut?
Là-haut, tu sais, à côté de la fenêtre, là. Sur la passerelle. Voilà, donc là il essaie de me tuer. Hop, voilà, là vous voyez que je l'ai buté, donc du coup, c'est-à-dire que son spawn, comme je suis ici, son spawn il va être sur C. Donc là, vous pouvez commencer à reculer, mais faut faire, être très prudent. C'est-à-dire que si vous reculez, regardez toujours derrière vous qu'il y a un ennemi qui arrive ou pas, parce que ça peut, voilà, arriver. Et du coup, vous continuez, vous reprenez. Vous arrivez sur A, et vous continuez, vous reprenez. Et là, vous reprenez tout doucement l'avantage avec vos alliés. Donc du coup, vous protégez. Voilà, merci. Vous protégez vos alliés qui sont en train de prendre B, vous continuez vos séries et vous pouvez faire votre nucléaire ou même vos plus de 100 kills ou ce que vous voulez. Et puis voilà. Alors ensuite, une situation qui peut être très très difficile à prévoir, c'est si les ennemis ont la micro. Alors attends, je prends B tranquillement, s'il te plaît. Ah, évite de muter, évite de muter. Merci. Voilà, merci. Les ennemis ont la micro. Vous avez A et B, donc ils spawnent sur C, mais ils ont la micro, donc vous dites, mais comment ils font? On les spawn trap depuis tout à l'heure, ils ont la micro, c'est quoi le délire? Ça se peut qu'il y ait quelques campeurs ou même des boosters, ça arrive. Vous êtes ici, ils ont la micro, ou même dans la maison, hein. Vous êtes dans la maison, ils ont la micro, que faire? Puisque du coup, ils savent que vous êtes là. Alors c'est exactement pareil, vous reculez tout doucement. Hop, voilà. Vous reculez tout doucement. Alors attends, je sais ce qu'on va faire, on va faire un petit exemple. Essaye de me buter plusieurs fois pour avoir la micro, s'il te plaît. Capture B aussi, tant qu'il y est. Comme ça, ça fera plus de points, tu pourras avoir la micro facilement. Parce qu'il faut savoir que si vous capturez des points, vous pouvez débloquer vos score streaks beaucoup plus facilement. Puisque si vous capturez B ou un point ennemi, vous gagnez 200 points. Ça peut être des kills. Je te tue avec autant de classe. Franchement, ta classe est dégueulasse. Si vous tuez des ennemis en train de prendre une position. Vas-y, quand tu veux. Non, mais vas-y, dépêche-toi, on a plus que l'heure en fait. Merci. T'as un micro? Non, je suis dans le voyage. Je capture pas. Non, 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 capture pas. Ah, capture pas. Ah, ah, ok. Je suis derrière toi. T'as pas ton nom, c'est quoi? Ouais. Ok, je vais réagir. Franchement, je vais réagir. Moi, je te la conseille, franchement, elle est légère. Derrière toi. Ah, par contre, tu sais bien tirer. Comment ça se fait que je spawn sur B? C'est quoi le délire? Je sais pas, je sais pas. Parce qu'on est en privé, peut-être. Tu me dis quand t'as la micro. Ouais, t'inquiète. Excusez-nous pour ce petit contretemps, mais au moins ça va monter un peu. Par contre, je suis sur A là en fait, je t'attends. Ah, ok, attends. Tu l'as? Hein? Non. J'ai spawn comme tout à l'heure. What? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? T'as trop mal. J'ai spawn sur A. T'as la micro? Ouais. Nickel. Alors. Donc là tu vas me laisser prendre B, retourne sur C s'il te plaît. Voilà, merci quand même à Chops Orange pour toute sa collaboration, MDR, pour m'avoir aidé pour ce tuto. Je tiens juste à préciser que il m'aide, faut le dire, franchement, c'est grâce à lui j'en suis là. Et voilà, donc là tu vas balancer ta micro et je vais vous montrer un peu comment se débrouiller. Donc là franchement faut vraiment que tu essayes de me buter. Donc là vous êtes en série et tout, hop, vous savez pas quoi faire, les ennemis vont arriver de partout. J'essaie de me concentrer un petit peu, s'il vous plaît. Donc, c'est en silence, c'est normal. Il va essayer de me buter sans foirer. Voilà, il savait que j'étais là. Hop, là, vous voyez, buté. Donc, du coup, il va spawn sur C. Alors là, commencez à reculer tranquillement. Il va spawn sur là, sur là. Ok, il vient pas. Merci pour lui, c'est très gentil. Voilà, vous voyez, toujours que j'ai l'avantage parce que je fais mes drop shots. Mes drop shots, oui, mais si, mes drop shots. Voilà, vous voyez que mes drop shots sont vraiment très très utiles. Voilà. Et voilà, du coup, je suis retourné sur A, j'ai mes alliés avec moi, hop, j'ai B, je suis tranquille. Donc vous voyez que la micro leur sert strictement rien puisque j'ai l'avantage sur eux. Parce que du coup, en fait, vous voyez que je suis énormément protégé par. Ah, merci, hein, c'est très gentil avec mon voyage. Vous voyez que je suis vraiment protégé avec le camion et c'est vraiment de me buter par contre, hein, pas semblant. Ah, ok, d'accord. Et vous voyez vraiment, je suis protégé par le camion, ce qui m'aide énormément. Donc du coup, vous voyez que je mets ta micro. Voilà, il y a dans le micro, vous voyez. Donc, vous voyez que franchement, il n'y a pas beaucoup de solutions pour eux. Soit ils vont spawn au garage là. Et là, vous pouvez faire un petit wallbang, mais comme j'ai plus de munitions, je suis dans la merde. Pillard, nickel. Oh, moi j'ai pillard. Là, je joue avec toi, sniper. T'es où? Oh, t'es là-bas. Allez, mec. Chien petit. Oh, oh, c'est donc, vous voyez que franchement, le micro là, ça a strictement rien puisque je peux quand même les buter tranquillement. Voilà. Et voilà, donc vous voyez que j'ai fait plusieurs mises en situation pour vous aider. J'espère que cette partie vous aura plu, j'espère que toutes ces astuces vous auront plu. J'espère que tout ce que j'ai fait pour vous vous aura aidé.
N'hésitez pas à mettre un max de j'aime, un max de com et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, bye tout le monde. C'était Chef Agrume accompagné de Chef Orange. Ah, ciao, baby.